Madame, monsieur, bonsoir. Au menu de questions éco ce soir, avis, culture et fiscalité pour les MRE. À l'approche du mois sacré, beaucoup de questionnements sur les prix. L'exécutif a certes tenu à rassurer la semaine dernière quant à la disponibilité des produits et à la stabilité surtout de leurs prix. Or, ces derniers restent tributaires des marchés internationaux et nous l'avons suivi de très près. Les cours de matières premières agricoles connaissent une flambée inédite et ce depuis quelques mois maintenant. Je vous propose donc ce soir de voir la perspective des producteurs avicoles quant au prix des poulets et œufs et autres produits de l'aviculture et par la même occasion prospecter si ce secteur est toujours porteur. Pour cela, je reçois Youssef Alaoui, président de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole. Ensuite, et pour ôter le flou et tous les cafouillages sur la question de la taxation des avoirs des Marocains résidant à l'étranger, et ce, dans le cadre de l'adhésion du Maroc au mécanisme international d'échange de données financières, j'aurai le plaisir d'échanger avec l'ancien président de l'Ordre national des experts comptables, Aïssam El Magheri. Alors, pour tout comprendre aux implications de cet accord et ses répercussions sur les poches des Marocains du monde, restez avec nous, bienvenue. Le secteur avicole a subi d'énormes pertes à cause de la crise sanitaire et la situation ne semble pas s'améliorer. Les détails dans ce récit de Alam Nani. C'est un chiffre qui donne la chair de poule aux représentants du secteur avicole. D'après la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole, le secteur n'enregistre pas moins de 50% de baisse des ventes depuis mars 2020. Et pour cause, déclin des achats des restaurateurs, des hôtels et surtout resserrement budgétaire des ménages. Aujourd'hui, d'après l'Association des producteurs de volailles, le coût de revient du poulet est de 12 dirhams, alors que le kilogramme de poulet vif sorti ferme atteint les 10 dirhams. En revanche, les prix de la dinde sont plus élevés. Le coût de revient est de 16 dirhams, alors que son prix sorti ferme oscille entre 12,5 et 13 dirhams le kilo. Vendredi 26 mars, le ministère de tutelle a rassuré les Marocains. Les prix des principaux produits seront généralement stables pour le mois du Ramadan, même si ceux des huiles alimentaires, de la viande blanche et des œufs pourrait connaître une augmentation relative. En chiffres et en termes d'offres, le secteur avicole moderne a produit en 2019 732 000 tonnes de viande de volaille et plus de 6 milliards d'œufs de consommation. D'après les chiffres de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole au Maroc, ce secteur génère au total 160 000 emplois directs et 370 000 emplois indirects. Enfin, en termes de chiffre d'affaires annuel pour 2019, la Fédération évoque le chiffre de 32 milliards et demi de dirhams, tandis que le ministère estime les revenus du secteur à 21 milliards. Et donc pour faire le point, j'ai le plaisir d'accueillir depuis Casablanca par Skype Youssef Alaoui, président de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole, la FISA. Bonsoir Youssef Alaoui, merci d'être avec nous. Bonsoir. Donc l'offre devrait largement dépasser la demande. Si on commençait par dresser un état des lieux des stocks en votre compagnie et notamment aussi du marché par la même occasion. Oui, l'approvisionnement pour le mois de Ramadan ne devrait poser aucun problème sur toute la filière, que ce soit la viande de volaille, dinde ou œufs. Malheureusement, c'est les prix depuis l'apparition du Covid en mars 2020, qui sont très peu rémunérateurs, même c'est des prix de vente à perte pour les éleveurs. Et autant je ne m'inquiète pas pour la situation d'approvisionnement du marché, autant je m'inquiète pour la situation financière des éleveurs. Donc, clairement, les éleveurs ne voient toujours pas le bout du tunnel. Et avec les rumeurs sur la fermeture des commerces, bon, déjà la fermeture des restaurants avec le couvre-feu à 20h, et peut-être des rumeurs par rapport à Ramadan, est-ce que risque d'impliquer cela pour vous en tant que représentant de ces éleveurs-là, Youssef Alaoui? Alors, il faut savoir que tout le secteur du tourisme, bien sûr, l'hôtellerie, restaurant, il faut savoir aussi que pendant le début de la pandémie, même les souks étaient fermés, les souks ruraux. Donc, c'est effectivement 40% à peu près de nos canaux de sortie qui ont été fermés. Oui, on s'inquiète vivement pour, effectivement, pour Ramadan. Si les cafés, restaurateurs sont fermés, ça sera le coup de massue pour le secteur. Vous savez aussi, malheureusement, au problème de fermeture du secteur hôtelier, touristique, restauration et autres,
s'est ajoutée une explosion sur les marchés mondiaux des matières premières. Absolument. Entre le soja et le maïs, qui sont la principale composante de l'aliment, qui représente 80% du coût de production, ont connu des flambées de 15 à 30%. L'ensemble des matières premières ont connu une flambée. La Chine a redémarré, donc stocke énormément. Le fret, le coût du fret mondial a explosé. Et donc, les coûts de production, vous citiez un coût de production de 12 dirhams tout à l'heure. En l'espace d'un mois, nous sommes pas loin de 13 dirhams sur le poulet en prix de revient. L'aliment augmente dû à l'augmentation des matières premières et on ne voit pas le bout du tunnel. Hier encore, les marchés ont pris encore une augmentation, les marchés de matières premières internationaux ont encore pris une augmentation. Et effectivement, le bout du tunnel est encore loin. Sur la base de l'évolution justement de ces prix des aliments composés, donc qui rentrent dans l'alimentation, vous l'avez dit, qui représentent quand même 80% du coût de production, si les cours mondiaux continuent de flamber, on n'aura pas d'autre choix que de répercuter cela sur le prix de la vente. Et donc ça implique aussi donc, une augmentation du prix du poulet, des œufs et autres volailles. Alors, paradoxalement, vous savez, les prix ont commencé à augmenter en novembre dernier. Mmh. Donc, depuis novembre dernier, on aurait pu, normalement, dans un marché normal et efficient, déjà voir l'augmentation des prix de la volaille. Ce n'a pas été le cas. L'éleveur, malheureusement, vous savez, on est en surproduction. Et effectivement, voilà. L'éleveur a dû amortir une partie du prix. Moi, je peux le dire clairement, l'éleveur subventionne le consommateur depuis un moment. Et donc, normalement, dans une logique de marché normal, le prix de revient augmente, le prix de vente augmente. Ce n'est pas ce qu'on a connu depuis novembre. Malheureusement, les prix de revient ont augmenté et le prix du poulet est resté stable avec des pertes de 2 à 3 dirhams de kilo. Donc du coup, est-ce que c'est un secteur… Bon, avant de parler justement du secteur et de l'investissement dans ce secteur, vous avez parlé de surproduction. Et est-ce qu'il ne faudrait pas revoir justement la production et la réguler pour ne pas produire autant et pour que l'offre ne dépasse pas la demande et affectant ainsi le prix et pour le coup le producteur. Vous avez parfaitement raison. En fait, l'offre doit s'adapter à la demande. Malheureusement, à ce jour, nous en tant qu'éleveurs, on produit sans effectivement anticiper ce que serait la demande. On arrive au bout de la durée d'élevage et on ne sait pas qui vendre, à quel prix et comment. Le monde entier, l'écosystème repose sur une demande des abattoirs industriels. Les abattoirs, malheureusement, au Maroc, existent, sont équipés, sont aux normes de ce qui se fait de mieux au monde, mais n'absorbent que 10% du marché. Or, ils devraient réguler une grande partie du marché parce que c'est eux qui donnent la demande. Maintenant, il faut savoir que le contrat Génération Green, qui va porter sur la période 2021 à 2030, va s'attaquer à ce problème de commercialisation et normalement, effectivement, par la mise à niveau du circuit de ce qu'on appelle l'IHET, ce qu'on parle d'abattoir de proximité, c'est 15 000 points de vente, donc 15 000 points de diffusion qui devraient être mis à niveau pour un coût très modeste avec une aide de l'État. Et effectivement, la restauration collective devrait, et j'espère, se conformer à la loi qui dit que la restauration collective doit s'approvisionner uniquement auprès des abattoirs industriels et que tout ce qui est ménagère pourrait s'approvisionner autant auprès des abattoirs que ce qu'on appelle des RIHET, mais mise à niveau. Et effectivement, cette mise à niveau du circuit de distribution va nous permettre de connaître la demande, va permettre de réguler l'offre, et effectivement, on devrait aller peut-être vers une meilleure harmonie dans ce secteur et éviter ces pics de prix, comme vous connaissez, où nous vendons aussi bien à 6 dirhams qu'à 14 ou 15 dirhams. Oui, mais quand vous dites qu'en fait, il s'agit de réguler cela, il y a beaucoup de spéculation et c'est un peu aussi ce qui caractérise tout marché. Donc, quand bien même nous ne disposons pas aujourd'hui d'outils pour juguler un peu les effets de fluctuations ou de pics des matières premières ou autres, ou du fret maritime, comme vous le disiez, mais si on continue à spéculer, cela ne changera rien, quand bien même on dispose de données. Alors, ce que je voulais tenir à éclaircir, c'est qu'effectivement, dans le monde entier, existe un écosystème. C'est-à-dire que l'éleveur ne devrait mettre en place, ne commencer son élevage, que si l'abattoir, en lui-même, lui dit voilà, sur l'année, les besoins. Et ne pas faire ce qu'on fait actuellement, où on commence à produire, ne sachant même pas à quel prix on vend ou si on va vendre. Et on se retrouve à la fin, effectivement, peut-être pas suffisamment de demandes, à brader les prix.
Donc, les deux circuits qui sont l'abattoir industriel réservé à la restauration collective et à la ménagère, et le circuit de l'IHL mis à niveau réservé à la ménagère, normalement, s'il est mis à niveau et que les règles sont respectées, oui, nous sortirions de ce cadre de spéculation pour coller à la demande. Très bien. Bon, malgré la crise, et puisque vous représentez, n'est-ce pas, cette fédération du secteur avicole et interprofessionnelle du secteur avicole, ce secteur est, ou en tout cas, est-il toujours bon d'investir dans ce secteur? Est-ce un secteur où il fait bon d'investir, tout simplement? Oui, oui, je pense qu'il faut investir. D'ailleurs, nous avons un centre de formation qui est dédié. Il y a encore des marges de, disons, de progression en termes de productivité. Il faut que, effectivement, et la formation et la pourrie. Il y a aussi ce qu'on peut appeler d'autres produits sur lesquels des niches ont de rester développées. Le poulet fermier, la dinde a encore sa place. Effectivement, nous devrions aller vers plus de transformation, c'est-à-dire plus de valeur ajoutée. Nous ne sommes actuellement qu'au stade tout embryonnaire, c'est-à-dire que nous vendons la volaille à l'état vivant pour 90% du marché, alors que les écosystèmes développés, la vente en vif ne représente pas l'essentiel du marché. Et effectivement, nous perdons toute création de valeur ajoutée sur ce secteur. Et je pense que les regroupements, la mise en place, vous savez, il n'existe encore quasiment pas de coopératives dans le secteur. Le monde entier, dans les pays développés, c'est les coopératives qui mènent le bal dans ce secteur. Et effectivement, le système coopératif tel qu'il est prévu dans le cadre du plan Génération Green, tout ça devrait faire que nous devrions aller vers la création de valeur ajoutée, qui malheureusement à ce jour n'est pas le cas. Et je pense, bien sûr, oui, que le secteur a encore de l'avenir sur lui. Il faut aussi pour cela parler d'export. Vous savez, il y a 10 ans, quand on a signé notre contrat de programme avec le gouvernement et sur laquelle il y avait une partie d'export, beaucoup de professionnels, d'entre nous-mêmes, nous disions que c'était utopique. Eh bien, le Maroc peut s'orgueillir du fait que maintenant, nous sommes à l'export. Mieux que ça, nous avons des opérateurs marocains dont nous pouvons être fiers, qui se sont implantés en Mauritanie, au Sénégal, au Mali, et qui cherchent à s'implanter sur d'autres pays. Donc, nous sommes reconnus en tant que professionnels. Maintenant, il faut qu'effectivement, ce problème local de distribution, de mise à niveau des secteurs de distribution du transport, soit réglé définitivement. Et justement, pour terminer, est-ce que le fait aussi que le secteur aujourd'hui, enfin, après beaucoup de recommandations et de doléances qui ont été d'ailleurs exprimées dans le cadre de cette émission même, il y a ce volet fiscal. Donc aujourd'hui, le secteur avicole jouit des mêmes dispositions fiscales que le secteur agricole. Donc une bonne chose, selon vous, pour investir dans le secteur? Oui, je rappelle que ce n'est qu'une injustice qui a été réparée. Le monde entier, l'agriculture fait partie de l'élevage, l'élevage fait partie de l'agriculture. Et dans le monde entier, effectivement, nous sommes, de toute façon, nous produisons où, si ce n'est pas dans le monde rural. Donc, clairement, toute la partie élevage, comme l'élevage bovin, laitier, ovin, devait être considérée comme certaine agriculture. Ce n'est qu'une injustice qui a été réparée. Mais je précise, et comme vous le savez, que ce n'est pas pour échapper à la fiscalisation, puisque, comme vous le savez, depuis 2020, le secteur agricole est soumis à la fiscalité. Cette partie de défiscalisation concerne bien entendu les petits éleveurs et les petits agriculteurs. Mais le secteur fiscal, vous savez, c'était aussi une question de principe. Il y a des générations qui ont travaillé dans le secteur de l'agriculture et qui se considèrent comme agriculteurs et qui, à tort, étaient considérés comme marchands de peau. Et donc, ce n'est qu'une injustice qui a été réparée. Très bien. Merci beaucoup, Youssef Alaoui, président de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci à vous. Et nous passons à présent à la seconde partie de questions éco. Dans sa politique de normalisation avec les pratiques internationales en termes de transparence, le Maroc a signé il y a 3 ans un protocole d'accord. Mais depuis quelques semaines, le sujet inquiète les Marocains résidant à l'étranger. Beaucoup d'encre a coulé et le communiqué de la Direction générale des impôts n'a pas calmé les inquiétudes des MRE détenant des avoirs en liquide dans leur pays d'origine. On parle de plus de 2 millions de comptes bancaires. Le point avec Alain Nahi.
Les rumeurs ont fusé ce mois-ci. La Direction générale des impôts rassure. Les Marocains résidant à l'étranger ne seront pas obligés de déclarer leurs avoirs détenus au Maroc dans leur déclaration d'impôts pour 2021. Dans un communiqué, la DGI a précisé que les rumeurs se sont basées sur une mauvaise interprétation d'une convention signée par le Maroc en juin 2019. Il s'agit là d'une convention multilatérale de l'OCDE, Organisation de coopération et de développement économique, pour la mise en place d'une norme d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers en matière fiscale. L'objectif de cette norme, rappelons-le, est de mettre fin à l'érosion des bases d'imposition et au transfert artificiel de bénéfices vers certains pays afin de se soustraire à l'impôt. Et pour tout comprendre à ce sujet, j'ai à présent le plaisir d'accueillir depuis Casablanca par Skype Aïssam El Maghiri, qui est expert comptable, ancien président de l'Ordre des experts comptables marocains. Bonsoir Aïssam El Maghiri, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Que prévoit le Code général des impôts en ce qui concerne les MRE et compte tenu justement de l'entrée en vigueur de cet accord signé par le Maroc il y a quelques années maintenant? En fait, le Code général des impôts ne contient pas de dispositions spécifiques au MRE, en la matière. C'est-à-dire c'est des dispositions, comme vous l'avez d'ailleurs dit, qui répond à des engagements à l'international en fait, de presque de tous les pays. Depuis 2017, on parle de plus de 150 pays. Donc c'est beaucoup plus une normalisation, si vous voulez, des pratiques fiscales à travers le monde. Il faut rappeler que cette question, elle date quand même depuis 1996, ça veut dire plus de 14 ans, où justement beaucoup de pays importants justement au niveau de l'OCDE ont enclenché un projet justement de lutte contre la concurrence fiscale dommageable aux économies de ces pays, notamment via l'utilisation de ce qu'on appelle souvent les paradis fiscaux, et qui fait qu'en usant justement du secret et de l'impôt, ces pays réalisent des économies économiques importantes. Et donc l'OCDE a lancé ce projet, qui d'ailleurs a donné lieu en 2014 à une convention multilatérale pour l'assistance administrative en matière fiscale, et que, comme je vous ai dit, 150 pays ont déjà signé. Le Maroc, bien évidemment, ne fait pas l'exception. Le Maroc, historiquement, c'est un pays ouvert. Tous nos partenaires, sans exception, font partie de cette convention. Et donc, le Maroc adhère à ses engagements à l'international et donc a signé cette convention en 2014. Il a signé la convention multilatérale en 2014. Et cette convention elle-même prévoit justement, dans son article 6, la possibilité pour les pays signataires de signer un autre accord pour l'échange automatique des renseignements, parce que tout simplement, le secret et l'utilisation de l'impôt n'est plus admis sur le plan international. Donc, on peut dire que c'est une norme fiscale internationale qui s'impose à tous les pays, pas uniquement au Maroc, et qui consiste justement à l'échange et, si vous voulez, de renseignements à des fins fiscales. Notamment l'échange sur demande, qui est d'ailleurs déjà opérationnel depuis 2009, parce que 2009 c'était déjà une norme internationale en fiscalité en 2009, suivi de l'échange automatique cette fois-ci de renseignements, mais en fait à des fins fiscales justement, à partir de 2014. Donc le Maroc, il est en retard, si vous voulez, par rapport aux autres pays, puisque le Maroc n'a adhéré effectivement au protocole, à l'accord relatif à l'échange automatique de renseignements qu'en 2019, effectivement, précisément en juin 2019. Donc, ce n'est pas une question, en réalité, qui concerne les MRE, c'est une question qui concerne tous les citoyens, je dirais, résidents au Maroc, mais également résidents à l'étranger, en tout cas avec les signataires dans tous les pays signataires de cette convention, et qui va après donner lieu, bien évidemment, à tout un processus de ratification qui prend souvent beaucoup de temps. Et pour rappeler, la convention signée au Maroc, par le Maroc en 2013, n'a été ratifiée qu'au mois de mai 2020. Moi, je pense que ce n'est pas un cafouillage. En fait, le cafouillage, c'est parce que tout simplement, on a confondu cette convention sur l'échange automatique des renseignements avec une autre convention,
qui, elles, se vont appeler le BEPS, l'érosion de la base imposable et des prêts de transfert, qui, elles, effectivement, portent sur un deuxième volet, qui est l'évitement fiscal, c'est-à-dire les entreprises qui utilisent les pays à fiscalité réduite pour s'y installer. Et donc, il y a une sorte d'abus, si vous voulez, de leur part. Et donc, il ne faut pas confondre ces deux régimes, parce que le premier régime, c'était pour la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale, à travers l'échange des renseignements. Et le deuxième projet, justement, le BEPS, lui, il concerne beaucoup plus l'évitement fiscal, sachant que le BEPS, il traite aussi, il complète aussi le projet sur la lutte contre la fraude, puisqu'il prévoit aussi des règles d'échange d'informations. Mais pour les entreprises. Il faut dire que ces deux projets différents, hein, auxquels le Maroc a adhéré, et d'ailleurs tous les pays, je peux même vous dire que tous les pays partenaires économiques du Maroc, sans exception, ont adhéré à ces conventions, et la première de 2013, et celle de BEPS, dont le Maroc a adhéré récemment en 2019. Donc ces deux conventions, en réalité, en fait, deux projets de l'OCDE, d'accord, qui sont complémentaires, et c'est pour ça qu'il y a cette confusion. Maintenant, l'entrée en vigueur en 2022, et ça c'est mon opinion technique personnelle, je ne pense pas que le Maroc va pouvoir répondre justement aux exigences logistiques et réglementaires et légales pour pouvoir appliquer cette convention sur l'échange automatique des informations. D'ailleurs, pour rappel, même le Code général des impôts, il prévoit un décret qui va définir justement les modalités, qui va définir les concepts correspondants par l'échange automatique, etc. Clarifier justement le texte au niveau du Code général des impôts. Quand on parle d'échange automatique, on parle que de comptes bancaires, donc de cash détenu sur des comptes bancaires, ou cela pourrait également toucher des avoirs, l'épargne, ou par exemple des avoirs en terrain, en immobilier ou autre. Est-ce que cela entre aussi dans le cadre de cet échange de renseignements entre les pays ? On ne parle justement que de l'échange d'informations sur les comptes financiers. On ne parle pas des biens, ni du foncier, ni des biens immeubles. On ne parle que des comptes financiers. Et c'était en fait la suite directe de la loi FATCA des États-Unis qui concerne les Américains. On parle de l'échange de remontée d'informations des comptes qui sont détenus, ouverts ou mouvementés pendant l'année, remontés bien évidemment au pays de résidence des personnes concernées par l'administration fiscale du pays où le compte est ouvert ou est détenu, peu importe la raison, mais il ne porte pas sur les autres éléments de patrimoine. On ne parle pas d'immobilier surtout, parce que ça également, c'est une information erronée qui a circulé sur les réseaux sociaux. Ici, on ne parle qu'au compte ouvert. Et il faut aussi rappeler, c'est important pour tranquilliser, je pense, à mon avis, nos concitoyens. Alors, on ne parle ici, bien évidemment, que des revenus, parce que les comptes bancaires, chez nos partenaires du Nord, par exemple, il n'est pas interdit d'ouvrir un compte ni d'avoir un compte bancaire à l'étranger et au Maroc. D'accord ? En fait, ici, il y a aussi une information erronée, c'est qu'on pense que c'est les comptes qui posent problème. Ce n'est pas le compte qui pose problème, c'est beaucoup plus les revenus qui sont crédités sur ce compte. Il peut s'agir des revenus effectivement de capital mobilier, des profits de capital mobilier, d'investissement aussi pour les Marocains Marocains du monde qui investissent au Maroc. Et ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Ça a toujours existé. Dans tous les pays du monde, il y a des obligations déclaratives, bien évidemment, même au Maroc, hein, qui concernent ces revenus. Il n'est pas lié du tout à cet accord d'échange, parce que quand on est résident dans un pays, en règle générale, c'est une règle de normes fiscales internationales aussi, en règle générale, on est censé déclarer tous les revenus mondiaux, hein, dans le pays de résidence. Et les accords, les traités de non-double imposition servent justement à éviter la double imposition. C'est-à-dire, vous déclarez tous les revenus mondiaux dans le pays de résidence, mais bien évidemment, si jamais une convention fiscale existe et donne l'imposition au pays de source de revenus, à ce moment-là, on a droit, en règle générale, il y a des mécanismes de non-double imposition qui sont prévus. Je ne pense pas que c'est nouveau, parce que ça, c'est des pratiques qui existent depuis plus de 30 ans. La première convention fiscale que le Maroc a signée date des années 50, avec la France, et elle prévoit déjà des mécanismes d'évitement de double imposition. Donc, le compte ouvert, ce n'est pas un problème.
Très bien. Le compte ouvert n'était pas un problème. C'est, le revenu, c'est à déclarer, que ce soit au Maroc ou ailleurs, pour le résident au Maroc ou ailleurs. Merci beaucoup, Issam El Maghiri. Merci pour l'ensemble de vos éclairages. Il était question de traiter de ce sujet parce que, justement, il a suscité beaucoup d'inquiétudes auprès de nos MRE. Merci en tout cas pour l'ensemble de vos explications. Il y a surtout beaucoup de cafouillages, effectivement, et beaucoup d'informations erronées parce qu'il n'y aura pas d'échange d'informations en 2021, comme ça a été rappelé par le ministère des Finances. Je le confirme. Je ne pense même pas qu'il est question aujourd'hui d'échanger quoi que ce soit tant que l'accord n'est pas ratifié, qu'il n'est pas déposé à l'OCDE. Et ça va prendre énormément de temps et je pense que les pouvoirs publics sont en train de mettre en place les préparations qu'il faut, les préalables qu'il faut, de la progressivité comme c'est toujours le cas, pour préserver les intérêts stratégiques de pays et de nos concitoyens là où ils résident. Voilà. Merci à Issam Maghiri. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de Question Écho. Très bonne soirée à tous.